Dimanche matin, bienvenue avec nous au portail en ligne. Je me présente, je m'appelle Samuel Sam. Je suis membre avec mon épouse au campus de Laval parce que, oui, l'église de Portail, c'est une église représentée sur quatre sites le site de Laval, Terrebonne, Saint-Eustache, Abitibi également. Et pour Pâques 2023, on compte ouvrir un nouveau site à Montréal-Nord, si Dieu le veut. Et notre mission est simple au portail, aider tout le monde, tous les Québécois à découvrir que tout a toujours rapport avec Jésus. Si tu nous découvres ce matin et que tu désires en savoir plus, je t'invite à visiter notre site internet à égliseleportail.com ou aller fouiner un peu sur notre page Facebook afin de connaître les différentes heures de réunion, les adresses de nos sites. On serait vraiment content de te recevoir un beau dimanche matin dans une de nos églises, dans un de nos sites. C'est ouvert à tous. Et en plus de ça, notre église offre différentes activités durant la semaine et durant la fin de semaine, bien sûr. On a le service clic le dimanche matin pour les enfants où ce que les enfants vont recevoir un un enseignement adapté pour tous les âges. Ils vont pouvoir cliquer avec Jésus, avec leurs amis. On a le ministère Accès pour les ados, ministère euh, Portail Jeunes adultes pour les jeunes adultes, les vendredis soirs à 19h30 au site de Laval. Ce sont des soirées amicales, festives, énergiques, inspirantes. Donc, gênez-vous pas pour venir faire votre tour. Pour avoir un peu plus d'informations, vous pouvez consulter leur page Facebook respective. On a aussi des petits groupes qui se réunissent chaque semaine dans les maisons afin de prier, partager, ouvrir la parole de Dieu ensemble. Pour connaître où se situe un groupe, peut-être près de chez vous, écrivez-nous à petitgroupe@commercialegliseleportail.com. Et bien évidemment, dans toutes ces activités-là, notre but central est celui de proclamer, d'enseigner la bonne nouvelle de Jésus, et c'est ce qu'on s'apprête à entendre à l'instant ce matin dans le message d'aujourd'hui. Ouvrons nos cœurs, ouvrons nos esprits à recevoir la parole de Dieu. Bienvenue Église Le Portail. Merci de te joindre à nous afin de continuer notre série sur Esther. On est rendu au troisième message. Et d'entrée de jeu, laisse-moi te poser une question. Est-ce que dans ta vie, tu as déjà été oppressé? Est-ce que tu as déjà vécu de la pression interne, de la pression même externe de l'extérieur, mais qu au final, ça l'a produit quelque chose de bon dans ta vie? Tu sais, il y a toutes sortes de niveaux de pression qu'on peut vivre, hein? Là, de la détresse à l'intérieur, des attaques extérieures, mais toutes sortes de niveaux, mais des fois au niveau professionnel aussi, on peut, on peut vivre toutes sortes de pressions. Et moi, j'ai déjà expérimenté des pressions dans ma vie que j'ai trouvées difficiles à certains moments dans mon travail. Avant d'être pasteur, j'étais en train de faire ma maîtrise à l'université. De Montréal en théologie, donc beaucoup de pression là-bas. Euh, J'étais engagé comme pasteur, euh, pasteur à temps partiel ici de la jeunesse à l'Église et à temps partiel, je devais travailler pour pouvoir subvenir aux besoins de ma famille et je travaillais dans un Starbucks. Et là, il y avait tellement de choses à l'extérieur de ma vie, puis même juste au Starbucks, beaucoup de choses à apprendre. Les boissons, les recettes, le service à clientèle. C'était vraiment compliqué, j'avais trop de choses à jongler et à gérer et je trouvais ça difficile. Peut-être à la maison, tu te dis, mais là, c'est facile de travailler dans un café, tu payes sur un bouton. « Là, mon ami laisse-moi te dire que tu te trompes avec tes Martin. Moi je travaillais chez Barista, je travaillais chez Starbucks là-bas, on est des baristas. Donc j'avais toutes les recettes à apprendre et j'avais en plus un patron à l'époque qui euh, avait un conflit avec moi et il a voulu me faire payer et il a fait une attaque personnelle. En fait, il a pris le poste qui était le plus difficile, il voyait déjà que j'étais sous pression, j'avais à y arriver et il a pris le poste qui était le plus compliqué, la commande à l'auto, puis il a décidé de me mettre à cette commande-là. Et là, c'était tout en même temps, pression et lutte intérieure, détresse, euh, en plus le sentiment de sentir attaqué par mon gérant, par aussi les clients, parce que laisse-moi te dire que tu, je, sûrement tu les connais, hein, les trois pires catastrophes naturelles dans l'histoire de l'humanité, c'est toujours les mêmes, les tremblements de terre, les ouragans et les clients pas contents dans une commande à l'auto. Pour vrai, l'être humain est la pire des catastrophes, surtout dans une commande à l'auto. Je vivais la pression et je trouvais ça difficile et vraiment j'ai eu besoin de l'aide. Des fois, là, je rentrais à la maison, j'avais besoin du soutien de ma femme, j'ai dû y aller des fois par la foi, continuer de faire ce que je devais faire. Et tranquillement, Dieu m'a fait grâce et j'ai fini par devenir confortable à un point même que euh, c'était rendu la position que j'aimais le plus, travailler à la commande à l'auto, tout faire en même temps. Et les matins, je mettais vraiment du cœur, de la joie dans mon travail. J'accompagnais les clients qui arrivaient, je voulais leur donner un bon début de journée avec le café, à un point même que c'est devenu un phénomène. C'était rendu à un point tel que lorsque les boss de Seattle venaient visiter la ville, ils s'arrêtaient à la commande à l'auto avant d'aller à l'avion parce qu'ils voulaient vivre l'expérience de notre Starbucks, du phénomène. Donc, c'est intéressant comment je vis tellement de pression et de détresse, et comment à travers ça, il y a même des belles bénédictions au bout du compte qui sont arrivées. Et dans le texte qu'on va vivre aujourd'hui, c'est sûr que c'est d'un tout autre niveau, bien sûr. Mais dans le texte qu'on va lire, ce qu'on va voir, c'est que même à travers nos luttes et nos combats intérieurs, et même à travers les attaques extérieures, même les attaques sataniques extérieures, même si on ne le voit pas, Dieu fait une œuvre qui est belle et qui est bonne et qui va aboutir à sa gloire. Et c'est pourquoi le titre du message ce matin, c'est Un Dieu pour des temps d'oppression. Même si on ne voit pas Dieu dans nos luttes intérieures ou nos attaques extérieures, Dieu est en train d'agir dans des temps d'oppression. On va reprendre la lecture exactement où on s'était on laissé la semaine dernière, donc fin du chapitre 2, et on va parcourir le chapitre 3 ensemble. Donc, Esther, chapitre 2, verset 21, il est dit à cette époque, alors que Mardoché exerçait des fonctions au palais impérial, deux eunuques de l'empereur, Big Tam et Terek, qui faisaient partie de la garde postée à l'entrée du palais, furent exaspérés par l'empereur exercice et cherchèrent à l'assassiner, un complot d'assassinat. Mardoché en eut connaissance et il en avertit l'impératrice Esther, qui mit l'empereur au courant de la part de Mardoché. Avec enquête, l'information s'avéra exacte. Les deux coupables furent pendus à une potence et l'affaire fut consignée dans le Livre des Annales en présence, hein, en présence de l'empereur. Quelque temps après ces événements, l'empereur Xerxès éleva en dignité Aman. Hein, on dirait que c'est une blague. Hein? On, on s'attend qu'il va élever mardoché pour tout ce qu'il vient de faire, sauver la vie de puis il élève en dignité un illustre inconnu. On dirait une farce. Et qui est cet Aman? Fils de Amadetta du pays d'Agag. Il le promut au rang de premier ministre. Il lui donna aussi la prééminence sur tous les ministres dans son gouvernement. Par ordre de l'empereur, tous les fonctionnaires impériaux en poste au palais devaient s'agenouiller et se prosterner de son passage. Mais Mardoché ne s'agenouillait pas et ne se prosternait pas devant lui. Ses collègues lui demandèrent pourquoi désobéis-tu à l'ordre de l'empereur? Tous les jours, ils lui dirent cela, mais Mardoché ne les écoutait pas. Finalement, ils signalèrent la chose à Amman pour voir si Mardoché s'en tiendrait à ses paroles, car il leur avait dit qu'il était juif. Quand Amman eut constaté que Mardoché ne s'agenouillait pas et ne se prosternait pas devant lui, il devint furieux. On lui apprit à quel, à quel peuple Mardoché appartenait. Il jugea trop insuffisant de porter la main sur Mardoché seulement. Il résolut donc d'exterminer tout le peuple juif compatriote de Mardoché qui se trouvait dans tout l'Empire d'Exercice. La première chose qu'on voit dans le texte, c'est que Dieu est, soufrain, est souverain dans toute nos injustices. Toutes les souffrances, les injustices que tu vis au quotidien, Dieu demeure, Dieu demeure souverain dans toutes ces injustices. Et dans le texte qu'on voit ici, ce qu'on va voir, c'est qu'on voit deux personnages qui s'affrontent. Hein? On a Mardoché d'un côté et Aman. Et ce qu'on voit ici, c'est un combat entre deux orgueilleux. On voit un combat entre deux orgueils qui souffrent et les deux s'affrontent. Les deux, en fait, ont un égo ballonné. Ah, tu sais, c'est quoi être ballonné? Ça, ballonné, c'est comme ça qu'on se sent quand on sort du buffet des continents. Ah, c'est rare que quelqu'un, lorsqu'il sort du buffet des continents, son réflexe c'est de dire oh, ⁇ Je me sens léger, j'irai manger de la crème à la glace. ⁇ Non, quand on sort du buffet des continents, on ouvre les fenêtres de la voiture, si tu comprends ce que je veux dire. Ils ont l'ego ballonné et souffrant. Ils se voient plus grands que qu'ils qu sont. Je ne sais pas si tu sais, mais il y a une vision populaire de l'estime de soi où on dit que les gens qui font des actes moraux négatifs, c'est qu'ils ont une mauvaise estime d'eux-mêmes. Eh bien, il y a un auteur, Lawrence Slater, qui a écrit dans le New York Times qu'il s'agit en psychologie d'une idée populaire, d'une idée reçue qui n'est pas démontrée. Et que même au contraire, de tout temps, lorsqu'on étudie la question, on s'est toujours rendu compte que les gens qui font du mal autour d'eux, c'est des gens qui accordent beaucoup trop d'importance à eux-mêmes, à leur vie. Autrement dit, ils se prennent tellement au sérieux qu'ils se sentent rapidement attaqués des gens autour d'eux. De ils sont constamment en train de se comparer en regardant toujours de plus en plus à eux-mêmes. Et plus tu regardes à toi-même, plus tu regardes soit à tes, à tes grands accomplissements ou à tes non-accomplissements, ça produit dans la vie de la souffrance. Et que ce soit, soit que Mardoché, que ce soit Aman, ils sont souffrants dans leur ego et ils se font du mal l'un à l'autre. Or, ce qui devrait me définir dans la vie, ce n'est pas mes accomplissements ou mes non-accomplissements. Si je regarde uniquement mes accomplissements, ce qui va se passer, c'est que là, je vais commencer à me comparer. Lorsque je, me, lorsque je sens que j'ai accompli de belles et de grandes choses, je me compare avec les autres et je me sens supérieur et je me permets de m'y Si j'ai l'impression que j'échoue dans ce que je fais, je me compare et je me trouve minable. Dans les deux cas, ça demeure toujours souffrant et je suis toujours en train de regarder à moi. » Et on vit dans une culture des réseaux sociaux où on est toujours encore plus à se regarder à soi-même et on regarde à la loupe continuellement nos bobos et ils ont l'air encore plus gros et on souffre davantage, nous avons des égaux ballonnés, souffrants, irrités. Alors que la réalité, c'est qu'on n'a pas été créé pour regarder à nous-mêmes, mais pour regarder à Dieu. On a été créé par Dieu et on a été créé pour Dieu, pour vivre pour sa gloire, pas pour notre ego. Pour sa gloire. Et ça, c'est une belle nouvelle. Ce qui me détermine, c'est n'est pas mes, mes grands accomplissements ou mes non accomplissements. Ce qui détermine mon identité, c'est les accomplissements de Christ qui viennent me racheter et me ramener dans la poussée de pourquoi j'ai été créé Jésus. J'ai été créé pour Dieu et par Dieu, mais nous avons rejeté Dieu, nous souffrons loin de Dieu. Jésus nous ramène dans ce pourquoi on a été créé, il nous ramène, et nous réconcilie avec Dieu, il refait de nous les enfants de Dieu destinés à vivre pour sa gloire. Et Ironiquement, l'humanité, on résiste. On résiste à ce pourquoi on a été créé. On est hostile et rebelle à cela. Et on se fait souffrir en agissant de la sorte. Moi et ma femme, on avait acheté une poêle, puis on ne savait pas, une poêle antiadhésive, et on saisissait du steak avec ça. Et à un moment donné, il a commencé à avoir de la fumée toxique qui s'élevait, ça sentait mauvais. Puis ce qu'on a appris, c'est que c'est une poêle à cuisson lente. Si on met une cuisson trop élevée puis qu'on saisit, ça libère des toxines nauséabondes. À résister d'utiliser la poêle dans le, le but pour lequel il a été conçu, ça ne faisait que créer de la souffrance. À résister à vivre pour la gloire de Dieu, on ne fait que se faire, que se faire souffrir soi-même et faire souffrir les gens qui sont autour de nous. Et c'est pourquoi dans, Jésus va dire que celui qui va essayer de conserver sa vie va la perdre, ironiquement. Mais ironiquement aussi, celui qui va accepter de donner sa vie entièrement à Jésus va enfin se retrouver parce que c'est pour ça qu'on a été créé réaliser et accepter cette vérité, la plus grande vérité libératrice de l'humanité, soit as été créé par Dieu, tu as été créé pour Dieu et tu peux être réconcilié et restauré dans cette position en Jésus-Christ qui nous pardonne, nous réconcilie et nous restaure. Et dans le récit qu'on vient de voir, on voit deux égaux qui se combattent. Et en fait, ce qu'on réalise, c'est que l'esprit de Dieu qui fait de nous une nouvelle créature en Jésus, qui nous restaure à notre position, où nous devons être motivés par la gloire de Dieu, par Dieu et pour Dieu, l'esprit fait en nous, nous donne surnaturellement envie et il nous rend capable de faire ce que naturellement, de manière terrestre et biologique, on n'a pas envie de faire. L'Esprit en Jésus-Christ, une nouvelle créature en Jésus restauré, nous permet de faire surnaturellement ce qu'on veut pas et qu'on ne peut pas faire sans lui. Et lorsqu'on va regarder le texte, on va voir que dirigé, porté par leur égo, Mardoché est incapable de faire ce que l'Esprit restauré en Jésus peut maintenant nous permettre de faire. La première chose qu'on voit, c'est l'Esprit en Jésus peut nous permettre d'aimer véritablement nos ennemis. Ici, on voit que Mardoché a une occasion de sauver Xerxès. Il entend un complot, c'est pas lui qui veut tuer Xerxes, mais il y a une possibilité de pouvoir faire du bien à Xerxes et sauver sa vie. Mais je te remets dans le contexte. Pour un juif, à l'époque, Xerxes, c'est comme un Hitler. C'est un grand roi païen sanguinaire, c'est un ennemi, et en plus un ennemi qui a maltraité la jeune fille Esther qui est sous sa tutelle. Et là, sa vie peut s'arrêter. Et pourtant, il va faire du bien à ce Xerxes-là. Et la réalité, c'est que... C'est sûr qu'à différents niveaux, pas au même niveau que Mardoché, combien de fois dans nos vies, on a l'occasion de peut-être pouvoir faire du bien à quelqu'un qu'on considère comme un ennemi, peut-être même à quelqu'un en position d'autorité, même qui nous a fait du mal? Combien de fois on peut faire du bien et est-ce qu'on va lui faire du bien ou on va retenir notre main? Que ce soit ton voisin avec qui tu as continuellement des conflits récurrents. Quand tu pèles ton entrée, il en met plus de, de, de ton côté. Puis là, quand c'est toi qui es rendu à pelleter, est-ce que tu lui rends la monnaie de sa pièce? Que ce soit un, un employeur, un boss qui ne t'a jamais permis d'avancer dans ton emploi, ne t'a jamais donné de promotion. Il y a un moment donné, tu te retrouves dans une situation où tu peux donner une évaluation. Et là, tu as, as cette possibilité-là, soit de, de, de le bénir, de peut-être même faire avancer dans, dans, la, dans, la, dans sa carrière un boss qui, lui, ne t'a jamais fait avancer, que tu peut-être même Méprisé, est-ce que tu vas retenir la bénédiction? Est-ce que tu vas retenir ta main? Tu es un jeune, tu un jeune adulte, tu es un étudiant. À la fin de la session, te, tu peux donner une évaluation, une critique du professeur et du cours. Est-ce que tu vas suivre le courant populaire qui va critiquer ou outrance le professeur ou tu vas être juste et bon dans ta critique? Nous avons l'occasion de pouvoir faire du bien à quelqu'un qu'on considère comme un ennemi, quelqu'un qui nous a fait souffrir. Est-ce que nous allons retenir notre main ou faire du bien? Et Mardoché a décidé de faire le bien. Et ce n'est pas très clair aussi pourquoi il a fait cela. Et ça, c'est une autre chose qu'il faut se questionner. La raison pour laquelle on fait le bien. Est-ce qu'il l'a fait simplement par pure gentillesse? Pas certain. Est-ce qu'il l'a fait parce qu'il avait peur pour Esther? Hein? On veut tuer le roi. Qu'est-ce qui va arriver à la reine? Peut-être qu'il l'a fait par inquiétude pour Esther. Mais le texte semble beaucoup plus nous montrer qu'il l'a fait pour un désir personnel de profit et de promotion. Hein? Notamment, ce qu'on va voir, c'est que Amman va être promu à sa place. Aman va recevoir les honneurs que Mardoché aurait dû recevoir. D'ailleurs, le texte, comme je l'ai mentionné, est écrit en une sorte de farce, une sorte de satire. Les honneurs qui auraient dû revenir à Mardoché, c'est Aman qui va les recevoir. Et ensuite, Aman, par jalousie, ne donne pas l'honneur à Aman qu'Aman doit recevoir. Donc, on voit qu'il y avait un désir d'avancement. Il y avait un désir de profit. Et en réalité, c'est qu'il est, est important pas simplement de se questionner si on fait le bien qu'on devrait faire, mais de se questionner surtout aussi sur les raisons de pourquoi on fait le bien. Se questionner sur les raisons de notre bien, sur les motivations et la source qui nous pousse à faire le bien. Parce que si on ne réfléchit pas, si on n'a pas la bonne motivation et la bonne source, notre amour et le bien que nous allons faire, l'amour qu'on va donner, le bien qu'on va faire, sera toujours inconsistant, il va s'épuiser et il va être limité pour avoir un amour consistant et fort. On doit avoir la bonne motivation et la bonne source. Le chrétien fait du bien autour de lui-même à ses ennemis et demeure consistant et constant dans son amour parce qu'il le fait par la foi. Il le fait pour la gloire de Dieu et toujours motivé par la bonne nouvelle de Jésus qui nous a réconciliés par son sacrifice à notre Père. C'est important. C'est important parce que toutes les autres raisons vont finir par se tarer. Si tu aimes autour de toi pour gagner un profit, si... Tu aimes pour recevoir de la gratitude. Si tu aimes pour montrer aux autres que tu es une bonne personne ou que tu aimes pour recevoir de l'amour, si tu aimes aussi pour donner un sens à ta vie, il n'y a pas de sens hors de Dieu. Il n'y a pas de sens hors de Dieu. La seule chose qui peut donner réellement une force, une constance à ton amour, c'est de le faire pour Dieu. Nous avons besoin d'une motivation et d'une source et d'une force qui est supérieure. Vous savez, j'ai une photo ici en fait, puis euh, c'est du matériel con, compromettant là. C'est une rare photo d'à quoi je ressemblais avant d'avoir rencontré mon épouse. Donc j'y vais. Je suis pas fier de, de cette photo là. Mais vous savez, qu'est-ce que. comme ici vous, vous remarquez, j'ai des dreadlocks, de longs dreadlocks et tout ça, et un, un style un peu rasta, c'était mon style à l'époque. Vous savez qu qu'est-ce qu qui a pris pour que tout d'un coup je change ma coiffure, je change mon linge radicalement? Une seule parole. Une nouvelle fille qui venait juste d'arriver dans notre jeunesse, dans, notre, dans mon église d'enfance, et qui me passe une seule parole rapidement sur le coin d'un corridor, elle me dit Hey, je me demande de quoi t'aurais de l'air sans ces dreadlocks. Ça faisait des années que je laissais pousser mes dreads jusqu'aux fesses. Le vendredi d'après, laissez-moi vous dire que j'avais une nouvelle coiffure et de nouveaux vêtements. Je n'ai juste rencontré cette jeune fille qui allait devenir mon épouse. Nous sommes tous d'accord que l'amour est l'une des plus belles et des plus grandes motivations pour changer radicalement, agir, aimer et servir. Mais vous savez quoi? Même l'amour le plus romantique du monde peut se tarir. Même ma femme que j'aime, ce n'est pas tous les matins que cet amour est suffisant pour que j'aie envie de continuer, de rester fidèle, de l'aimer, de la servir, d'y pardonner quand je me sens lésé. Ce n'est pas tous les matins que l'amour romantique est suffisant. Même cette chose que le monde constate comme étant la force la plus puissante de changement n'est pas toujours suffisante, elle est inconsistante, se limite, est épuisante. Nous avons besoin de connaître l'amour supérieur. Le chrétien n'aime pas son ennemi, le chrétien n'aime pas son ennemi parce qu'il est meilleur, mais au contraire parce qu'il est conscient d'à quel point il était méchant et mauvais sans Dieu, à quel point il était ennemi, mais qu'en réponse à sa méchanceté, Dieu s'est offert lui-même en Jésus-Christ en sacrifice afin qu'on soit réconcilié éternellement. Le chrétien n'est pas gentil avec ses ennemis parce qu'il est meilleur, mais parce que Jésus est meilleur, parce que son sacrifice a été coûteux, parce qu'on est réconcilié. Pas parce qu'on est meilleur, mais parce que Jésus-Christ est meilleur. Est-ce que je peux lire des gloires à Jésus, s'il vous plaît, dans les commentaires? Deuxièmement, l'Esprit nous aide à surmonter l'ingratitude. Ici on voit que Mardoché, est, puis on le ressent en fait avec Mardoché dans la lecture, la surprise de voir Amman recevoir ce que Mardoché aurait dû recevoir. Non seulement aman reçoit la, 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 reçoit la promotion, reçoit la reconnaissance, mais en plus le texte nous dit même pas pourquoi Amman a reçu cette reconnaissance-là. Alors que Mardoché, on sait qu'il a fait le bien envers le roi. Et de cela, de cette de cette insatisfaction, de cette ingratitude, la réponse de Mardoché, ça va être d'avoir une mauvaise attitude, et de ne pas donner reconnaissance à Aman. Puis pour ceux ici qui pensent que lorsque Mardoché sort la carte, oh, je suis un juif, on, on, que c'était contre la loi de pouvoir se prosterner, c'est complètement faux. Ce qu'on voit en Esther 3 n'a rien à voir avec ce qu'on voit en Daniel 3, où les amis de Daniel refusent de se prosterner devant l'idolâtrie. La loi permettait de pouvoir donner des, une prosternation d'honneur à des rois, à des dignitaires. C'est un signe de respect dans, dans cette époque-là. Ce, ce que la loi proscrit... C'est adorer d'une manière spirituelle, adorer une idolâtrie. C'est ce que la loi proscrit. Donner le respect, à la loi le permettait. Donc, quand que Mardoché met ça sur le dos de la loi, il est en train de faire mentir la loi, parce que c'est même pas ce que la loi dit. Donc, ici, Mardoché est simplement fâché. Et en plus, Mardoché est hypocrite, parce que la gratitude que Mardoché était censé savoir, puis je ne veux pas divulguer, mais spoiler alerte. Au chapitre 6 d'Esther, Mardoché va finir par la recevoir, sa reconnaissance, et là, il va l'accepter la reconnaissance. Donc, il refuse hypocritement de donner à Aman ce que lui-même veut et va recevoir au chapitre 6. Mardoché est simplement jaloux de ce que Aman a reçu. Vous savez, une des choses que ça doit nous apprendre à nous les chrétiens aujourd'hui qu'on doit surmonter par l'Esprit en Jésus-Christ, c'est que nous ne recevrons jamais de ce monde un, un retour proportionnel à tout ce que l'on donne. Ce, ce que tu donnes en temps, en effort, en argent, en investissement pour Dieu, en amour, pour son royaume, pour ta maison, pour ses gens, tu ne vas jamais recevoir en gratitude proportionnellement à tout ce que tu te donnes de toute manière. Et on doit faire la paix avec ça dès à présent. On doit faire la paix avec ça. Vous savez, c'est comme, comme la Saint-Valentin. À chaque Saint-Valentin, on vient de passer dernièrement à la Saint-Valentin, je suis toujours embêté de qu'est-ce que j'offre à mon épouse. Parce que je sais que ce n'est pas une carte, un cadeau et une activité d'une journée qui va pouvoir compenser tout ce qu'elle donne continuellement à chaque année, puis je suis toujours embêté à la Saint-Valentin, à sa fête, anniversaire de mariage, Noël, même si on doublait toutes les fêtes ou les occasions de lui faire des cadeaux et des présents, je ne peux pas lui donner, je ne peux pas compenser tout ce qu'elle donne et apporte dans notre foyer, dans notre couple. Eh bien, c'est la même chose pour le croyant. C'est la même chose pour le croyant ici, c'est la même chose pour le croyant aujourd'hui. Tout ce que tu donnes à Dieu, tu ne peux pas le faire en t'attendant à un retour. Si tu fais ça comme ça, un jour, tu vas être brûlé. Un jour, tu vas, subir, tu vas subir des terrasses intérieures importantes. Un jour, tu vas peut-être même abandonner. Tu vas vivre un burn-out, une déprime spirituelle. Nous devons faire la paix que ce que nous faisons. Et c'est ce que la parole nous exhorte d'ailleurs. On ne le fait pas pour des hommes, pour un retour. On le fait pour Dieu. Ce qu'on en fait, on le fait par la foi. On le fait pour la gloire de Dieu, motivé par la bonne nouvelle de Jésus. On le fait pour Dieu. Et on le fait aussi non seulement que Dieu voit, mais que Dieu aussi nous donne un trésor céleste. Donc pas quelque chose que nous avons ici, mais quelque chose que nous savons que nous accumulons pour l'éternité. Quelqu'un qui a été justifié par Jésus-Christ désire vivre dans toutes les sphères de sa vie d'une manière qui est juste parce qu'il a été justifié, parce qu'il sait qu'il a les promesses de la vie éternelle, les promesses de Dieu et non pas pour recevoir quelque chose. Sois juste dans ton couple, dans ta maison, dans ta famille. Vis d'une manière juste lorsque tu es dans la rue. Vis d'une manière juste lorsque tu as ton travail avec tes amis, partout où tu es. Sois juste dans tes finances. Sois juste lorsque tu vas faire tes impôts. Sois juste dans ton service, tes dons, ta prière envers ton église. Soyons juste dans toutes les sphères de notre vie et que la motivation ne soit pas un retour proportionnel. Prenez job, on sort d'une série sur Job. Il a donné le plus possible dans tous les aspects de sa vie. Pourtant, sur Terre, à un moment donné, il a tout perdu, mais il a demeuré sa foi. Il a, il a gardé sa foi et il a connu la gloire de Dieu. Vous savez quoi? Nous avons tout reçu pleinement, toute bénédiction spirituelle de Christ. La Bible déclare que si tu es en Jésus, tu es co-héritier avec, avec le Fils de Dieu, tu es co-héritier. Co-héritier, rien de moins. Toute bénédiction spirituelle en Jésus, les plus belles et les plus grandes promesses de l'histoire. Tu sais quoi? Oui, Dieu répond à des prières. Oui, Dieu permet des bénédictions. La Bible est claire. Tout ce qui est bon dans ce monde vient de Dieu. Mais même si Dieu, de toute ta vie terrestre, ne te donnait aucune bénédiction, même je vais plus loin, même si on passait toute notre vie malade, seul, rejeté, pauvre, si ce que Dieu promet est réel, si ce que Jésus a accompli est vrai, ce que Dieu promet est vrai, ce que je suis spirituellement en lieu céleste est véritable. Dieu mériterait complètement mon amour et mon obéissance et ma persévérance toute ma vie. Même si Dieu ne permettait aucune bénédiction dans ma vie si Terrestre, si ce que sa parole sur lui et ses promesses sont véritables, il mériterait complètement mon amour et mon obéissance. Est-ce que je peux lire des Amen dans les réseaux sociaux? Troisièmement, il nous permet d'agir pour sa gloire. Comme je l'ai mentionné, ici on a deux combats d'ego. Deux combats d'orgueil. Bien sûr, on a un Amman qui est tellement porté par son orgueil qu'il est en colère, une colère extrême où il veut exterminer un peuple au complet. Mais d'un point de vue de croyant, Mardoché n'est pas vraiment meilleur. Ici, on voit que Mardoché n'est pas un super bon exemple. Quand il est jaloux, comme on l'a vu, qu'il ne veut pas donner à Amman un honneur, qu'est-ce qu'il fait? Il sort la carte du croyant. Hein, il sort la carte de l'accommodement raisonnable sur le dos de la foi qu'il n'endossait même pas. Je vous rappelle un message de la semaine dernière à plusieurs reprises, le texte nous rappelle qu'il cachait sa foi. Je vous rappelle, c'est quoi Mardoché et Piester Ce sont des Juifs qui, qui devaient, c'est après l'exil babylonien, ils devaient retourner à Jérusalem, reconstruire Esdras et Néhémie, reconstruire le temple et reconstruire Jérusalem, la ville sainte de Dieu. C'est des Juifs qui sont restés en exil parce qu'ils étaient confortables dans cette culture riche, ils sont restés par confort et sont hors du peuple de Dieu et hors des commandements et des mandats du mandat de Dieu. Non seulement ça, des croyants qui se cachent et répété à plusieurs reprises, non seulement ils se cachent, mais Mardoché demande même à Esther, elle aussi, de cacher sa foi. Cacher sa foi, qu'est-ce que ça veut dire? Ce n'est pas juste de pas dire qu'ils sont juifs, ça veut dire aussi de ne pas respecter les lois alimentaires de la loi juive. Parce que s'ils si mangent ce qui distingue les juifs des autres, ça paraît qu'ils sont des juifs. Donc, il lui demande de cacher sa foi, comment En désobéissant à la parole, comme les autres, en péchant, comme les païens. Donc, il lui demande, agis comme les païens, pêche comme les païens. C'est ce qu'il lui demande de faire. Puis on voit en plus qu'il n'est même pas dérangé à ce que Esther participe à une occupation double perse. Ouais, parce que ce qui se passe avec le concours du harène c'est comme une occupation double. C'est juste qu'il y a plus de filles dans la maison des filles, puis il y a juste un seul concurrent qui exerce dans la maison des gars. Et lui, il n'est pas dérangé de ça. Il n'est pas dérangé qu'elle participe à ça. Il n'est pas dérangé non plus que finalement, elle marie un, un prince païen pécheur sanguinaire incirconcis. Ça, c'est la figure de Mardoché. Mais au moment où ça fait son affaire, il sort la carte du croyant. Mardoché, c'est comme ce croyant qui ne va, qui va même pas hors du peuple de Dieu et qui ne répond pas au commandement, hein, qui est hors du peuple, qui ne va même pas à l'église ou qui va à peine, qui, qui ne s'affiche pas vraiment comme un chrétien, qui s'affiche pas comme un chrétien qui même imite ce que les gens font autour de lui, qui imite le péché autour de lui, qui parle comme les païens, qui agit comme les païens autour de lui, qui va aux mêmes places pour ne pas paraître comme chrétien, sauf que si à un moment donné le christianisme fait son affaire, là il sort de la carte, en hein? moins, ah au bureau, les musulmans ont le droit à une pause pour leur prière. Ils ont le droit à certains allègements parce que pendant le ramadan, ils ont, ils ont le jeûne pendant le jour. Ben moi aussi, carte chrétienne, moi aussi, je veux des allègements, moi aussi, je veux une pause, moi aussi, je veux de la considération. Puis tant qu'à être, je veux pas de job le dimanche. Et ce qu'on voit dans le texte, c'est que la mauvaise attitude de Mardoché va avoir des répercussions. La mauvaise attitude de Mardoché va éclabousser les bons croyants parce que c'est tout l'empire d'exercice. Qui va avoir un édit pour exterminer les juifs compatriotes de Mardoché. Ça, ça veut dire que tous les juifs qui ont été fidèles à Dieu, qui sont retournés à Jérusalem, qui sont en train de reconstruire la ville de Dieu et le temple saint de Dieu, eux autres aussi sont éclaboussés par la jalousie hypocrite de Mardoché à cause qu'il a sorti la carte du croyant et qu'eux aussi risquent d'être exterminés. Lorsque on s'identifie comme chrétien et qu'on a une attitude de tout croche, ça éclabousse la bonne nouvelle de Jésus. Ça éclabousse le nom de Dieu. Ça éclabousse les, les églises et les chrétiens, les frères et sœurs autour de nous. Lorsqu'on est misogyne au bureau, lorsqu'on est homophobe, transphobe, lorsqu'on est raciste, complotiste, lorsqu'on partage un faux évangile de prospérité mystique, weird, bizarre, lorsque tu es lard, colérique, impatient, lorsque tu n'es pas doux, tu manques de paix. Lorsque tu es polarisant sur les réseaux sociaux ou à la machine à eau au bureau, tu éclabousses le nom de Jésus et son Église autour de toi. Et il y a tellement d'exemples aussi de situations où l'Église évangélique a été éclaboussée. L'Église est contre les thérapies de conversion où on condamne, où on met une pression et où on force des gens à changer. Vous savez, l'Église n'est pas dans le changement de genre, le changement d'orientation l'Église est dans le changement de cœur de mettre son identité en Jésus-Christ. Mais parce qu'il y a tellement de mauvais pasteurs qui ont vraiment mal agi à travers les thérapies de conversion, la réponse d'un gouvernement, c'est de créer une loi qui, qui baillonne beaucoup d'éléments biblique, une loi qui ratisse beaucoup trop large. Il y a des églises qui ont été tellement dans les fraudes financières que les gens, bien souvent au niveau de la culture, ont un regard suspicieux envers une église évangélique. Il y a tellement d'églises qui ont été légères, hein, ils ont eu de la légèreté dans la façon qu'ils ont prêché la parole de Dieu, que beaucoup de monde trouve que la parole de Dieu ne fait pas de sens et elle n'est pas pertinente, alors que la parole de Dieu, elle est solide lorsqu'on l'explore attentivement. Il y a tellement eu de violences physiques et sexuelles dans l'église. Que beaucoup de gens ont un mépris envers l'Église. Peut-être que tu t'identifies pas à tout ce que l'Église catholique a pu faire aux premières nations, mais ils l'ont fait au nom de Jésus. Et, là, et nous devrions nous rendre compte que ces actions-là ont un impact sur l'Église évangélique protestante aujourd'hui. Ce que tu fais, là où tu es en tant que croyant, ce que tu fais a réellement un impact autour de toi. Et inversement aussi. Là où tu es, en étant simplement fidèle, pas parfait, mais en, en désirant être un croyant fidèle à ta place, tu peux contribuer à déboulonner des mythes. Est-ce qu'il y a des croyants ici que tu as vécu cette expérience-là, ou tu as simplement été fidèle, pas parfait, mais tu as été fidèle, tu as parlé à des gens, tu as osé répondre à des questions en restant sage en paix? Et le retour, c'est qu'il y a des gens qui t'ont dit « Hey, j'avais des préjugés envers les chrétiens. Je comprenais mal certains aspects de l'Église. Et merci, tu m'as aidé à comprendre que ça fait plus de sens que je pensais. Tu peux faire du bien à l'Église aussi. Tu peux contribuer à faire briller Jésus et déboulonner des mythes. Est-ce que je peux lire des « Amen »?» Quatrièmement, on voit que nous sommes appelés à subir l'injustice comme Jésus. Tout se résume à subir l'injustice comme Jésus lorsque nous acceptons, par la foi, pour la, pour la gloire de Dieu, motivé par la bonne nouvelle de Jésus. Lorsqu'on accepte l'injustice, c'est les rares moments dans notre vie où nous ressemblons le plus à Jésus, notre vrai leader. Quand on y pense, qui a subi la plus grande injustice de ce monde? Dieu lui-même vient visiter sa propre création. Sa création ne le reconnaît pas, le rejette, le déteste et utilise sa propre parole parfaite pour le rendre coupable, le crucifier, le tuer, le faire souffrir. Il n'y a pas de plus grande injustice intellectuelle, morale, qui attaque autant l'intégrité que Dieu lui-même, rejeté et tué par son pro sa propre création et sur la base de sa, de sa propre parole. Et lorsqu'on lorsqu regarde trop à soi, lorsqu'on s'enflamme dans nos luttes personnes qu'on s'en prend trop au sérieux et qu'on s'enflamme avec les gens autour de nous, même nos ennemis, lorsqu'on se prend au sérieux, qu'on s'enflamme autour de nous, est-ce que nous pensons réellement que notre injustice est plus grande que celle que Jésus a subie à la croix? Et quelle a été la réponse de Jésus à cette injustice? Il est resté silencieux et à la croix, il a prié grâce pour ses ennemis. Est-ce que notre injustice est plus grande que celle de notre Seigneur? Regardons à notre Seigneur, frères et sœurs. Continuons la lecture. Esther, chapitre 3, verset 7, il est dit Le premier mois, c'est-à-dire le mois d'Anisan, de la douzième année du règne aman Aman fit tirer au sort euh, ce qui se dit « pour ».« Pour », c'est un, un « dé ». Ça ressemble à un « dé », c'est un grand cube avec des, des, des inscriptions cuniformes qu'on lançait pour, en divination avec les dieux et les démons pour prendre des décisions. Et là, il lance ça pour décider quand est-ce qu'il va faire le massacre des Juifs. En passant en revue les jours après l'autre et un mois après l'autre, le sort tomba sur le douzième mois qui est le mois d'Adar. Puis aman la dire à l'empereur Xerxès Il y a répandu parmi le peuple, dans toutes les provinces de ton empire, un peuple qui est inassimilable. Leurs lois sont différentes de celles de tous les autres peuples et ils n'obéissent pas à la loi impériale. Je vous rappelle que c'est même pas vrai que la loi d'Israël, seule la loi d'Israël, dit d'obéir tant que c'est pas en opposition à ce que Dieu nous demande d'obéir et de faire prospérer, même, d'être bon avec le peuple auto. Donc Ici, il fait une loi pour attaquer les juifs basée sur une mauvaise interprétation en regardant ce que Mardochée a fait. Combien de politiciens pensent que les églises encouragent la désobéissance, l'insubordination, parce qu'ils ont vu des croyants communiquer et véhiculer cette fausse pensée de la parole de Dieu, alors que la parole de Dieu nous dit de supporter nos gouvernements, de prier. Pour nos gouvernements, d'obéir à nos gouvernements tant qu'ils ne nous demandent pas explicitement de faire quelque chose qui désoublie à la parole et même d'être honnête de payer nos impôts. Juste à cause de l'Église, il y a beaucoup d'impôts de gouvernement qui ne se perdent pas. Hein? L'empereur n'a aucun intérêt à les laisser en paix. On tue sur une fausse interprétation des Juifs. Si l'empereur le veut bien et que l'on rédige un édit ordonnant leur extermination, je paierai dix mille pièces d'argent et je mettrai un haut fonctionnaire impérial pour qu'il le verse dans les caisses de l'empereur. Alors, il paye une somme incommensurable ici. Et ça, ça représente un très, très gros margot. On voit que Aman a sûrement eu son poste par l'argent parce que c'est immense. C'est un super riche Aman lorsqu'on regarde à l'époque cette somme-là. Il paye le droit de tuer les juifs. Alors l'empereur ôta son anneau du doigt et le remit à Amman, fils de d'Agad, l'ennemi des Juifs. Puis l'empereur dit à Amman, Je te laisse l'argent et je te livre ce peuple faisant ce que tu voudras. » Ah, l'empereur est tellement apathique. Il ne demande même pas. Il ne demande même pas c'est qui le peuple. Il dit :« okay, Je ne sais même pas c'est qui le peuple tu veux, tu mais tu l'es toutes. Il ne sait même pas. 13 jour du premier mois, on convoqua les secrétaires impériaux sur l'ordre d'Aman et l'écrivirent au satrape de l'empereur, au gouverneur et à chaque province, au ministre de chaque peuple. Les documents furent rédigés selon le système d'écriture des différentes provinces dans la langue de chaque peuple. Le message fut écrit au nom de l'empereur exercice et scellé sous le sceau impérial. Les lettres furent portées par des coureurs dans toute la province de l'Empire pour ordonner de massacrer, de tuer, d'exterminer les juifs. Jeunes et vieux, enfants et femmes, en un seul jour, à savoir le 13 jour du 12e mois, qui est le mois d'Adar, et de piller leurs biens. Le texte de l'édit devait être promulgué comme loi dans chaque province et porter à la connaissance de tout le peuple pour que chacun se tienne prêt au jour fixé. Les coureurs partirent en hâte par hâte de l'empereur. Le décret fut aussi publié dans la citadelle. L'empereur et Amman s'installèrent pour boire. On vient d'émettre un édit de génocide. L'empereur, le gouvernement et Amman, les riches, boivent à la mort de tant de gens. Mais regardez ce qui se passe. Tandis que dans la ville de Seuse régnait la consternation. Merci Seigneur pour tous ces croyants. Et ici, on ne parle pas des Juifs, là, on parle de, de... dans toute la ville. C'est-à-dire que même lorsque plusieurs forces se lient ensemble pour attaquer les croyants sous une fausse image, il y a quand même dans la vie plein de personnes qui connaissent des croyants, les voient agir, ils sont capables de reconnaître que ça ne, cette L'attaque portée vers les croyants ne fait pas de sens. Merci pour tous les bons croyants qui permettent de redorer l'image de la foi chrétienne et qui sont obligés de dire que parfois, ce qui se passe contre les croyants ne fait aucun sens. Parce que moi, je connais les croyants, puis l'image qu'on véhicule sur eux, elle est fausse. Il y avait des gens réellement consternés parce qu'ils étaient préoccupés par les gens parmi eux dans la ville qui étaient juifs. Dieu est souverain, même dans nos persécutions, même dans les grandes persécutions sataniques de ce monde. Dieu est au-dessus de ça. Il est souverain. Dieu est tellement au-dessus de ça. Il faut que tu comprennes que Aman, c'est un, un symbole dans le récit d'Esther d'un ennemi millénaire du peuple de... Du peuple de du peuple de Dieu. En Exode 17, quand Israël vient juste de sortir de l'Égypte, Dieu vient de les libérer de l'esclavage des Égyptiens, c'est le début du peuple d'Israël. Alors qu'ils sort dans le désert, le premier peuple qui vient les attaquer, c'est le peuple d'Amalek. Ils viennent les attaquer de dos sans aucune raison. Dieu va donner la victoire à Israël, bien sûr, et dans le Deutéronome un peu après, Exode, Dieu va décréter que Amalek, devient un peu le symbole de l'ennemi de Dieu. C'est le symbole des, des, des influences de ce monde qui veulent attaquer et tuer le peuple de Dieu et la foi en Dieu. Ça de, et c'est pourquoi ça devient le symbole de l'ennemi qui revient à chaque génération de tuer la nouvelle génération de croyants. Et pour continuer sur ce symbole-là, en 1 Samuel, le premier roi d'Israël, Saül, des, de, de, la, de la tribu de Benjamin, reçoit l'ordre de tuer le nouveau roi des Amalek qui est Agag. Donc, le, 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 Israël a réussi à vaincre les Amélicites une autre fois. Et là, il dit, extermine Agag. Et Saül, dans son confort, refuse d'obéir à l'Éternel. Et qu'est-ce qu'on a dans ce récit-là? On a Amman, le descendant d'Agag, Aman l'Agagite, contre Mardoché, de la tribu de Benjamin. C'est volontaire. Aman est le symbole de l'influence spirituelle qui s'attaque au peuple de Dieu. Et Mardoché le symbole de ce roi Saül confortable qui ne fait pas ce que Dieu lui demande de faire. À chaque génération, l'ennemi veut détruire la foi. C'est pour ça que dans 1 Jean 2,14, l'apôtre Jean va écrire aux jeunes gens il va dire, Je vous écris à vous, jeunes gens, parce que vous êtes forts. Et si la parole de Dieu demeure en vous, vous avez vaincu le malin. Pourquoi Parce que quelle est la meilleure façon de scraper la société de demain Scrape la génération d'aujourd'hui. Et c'est quoi la meilleure façon de tuer la génération d'aujourd'hui attaque le cœur moral de cette société là c'est les jeunes dans l'église les jeunes dans l'église ici on voit plusieurs pouvoirs et influences qui se mettent ensemble pour créer un complot contre le peuple de Dieu. On a le pouvoir politique hein, en, en exercice. On a le pouvoir de la puissance monétaire. On a Aman qui est un super puissant riche qui utilise son argent pour avoir des promotions, des hautes fonctions, puis pour porter ses plans de loi. On a le pouvoir spirituel. Aman qui représente un ennemi spirituel du peuple de Dieu. Et on a même le pouvoir démoniaque. Il va jeter au sort et faire une divination devant les dieux et les démons pour choisir le jour de l'exécution. Hein? On a vraiment ici tous les ingrédients de l'influence satanique. Pouvoir spirituel, politique, monétaire, démoniaque, persécution satanique contre le peuple de Dieu. Ici, ça a toutes les apparences de ce qu'on appelle des fois aujourd'hui des complots. Vous savez, des complots, il y en a toujours eu dans l'histoire de l'humanité. Dès qu'on est dans les hautes sphères de la société, l'argent, le pouvoir, la spiritualité, il y a toujours eu des complots dans l'histoire de l'humanité. Et la Bible nous rapporte ce complot. Le chrétien est conscient qu'il y a eu des complots et qu'il y aura toujours des complots, qu'ultimement il y a un grand complot spirituel contre le chrétien. Mais vous savez c'est quoi la grande différence qui distingue Et c'est important, écoute bien mes mots. Il y a une grande différence entre un chrétien qui croit au complot et un complotiste, à ce qu'on retrouve beaucoup dans notre société dernièrement. Et il y a trois grandes différences qui distinguent un chrétien qui croit au complot d'un complotiste moderne. Premièrement, le complotiste vit dans la peur et nourrit constamment sa peur de toutes sortes de complots autour de lui qui n'ont pas le contrôle. Le chrétien vit dans une ferme conviction que bien sûr à chaque génération comme la parole le dit il y aura des complots contre le peuple de Dieu mais il vit dans la conviction que Dieu dans sa providence et sa souveraineté il est bien au-dessus des complots c'est lui qui règne sur l'histoire il amène l'histoire le déroulement de l'histoire vers la pleine manifestation de sa gloire et le chrétien nourrit cette conviction que Dieu est au contrôle et que notre job c'est pas de se nourrir de peur. Deuxièmement les complotistes sont toujours en train de se nourrir de toutes sortes de spéculations ultimement, la Bible nous dit qu'il y en a des complots mais ne nous dit pas de les chercher, puis ultimement un complot ça reste toujours une spéculation, peut-être que c'est vrai peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est vrai il y en a pour, pour se gratter la tête à l'infini puis en perdre ses cheveux le chrétien, lui, se nourrit de la révélation de Dieu, la parole de Dieu, qui, cette révélation de la parole de Dieu, nourrit ta conviction que Dieu est en contrôle, que tu n'as à rien à craindre, que Dieu est souverain et qui mène l'histoire vers sa gloire. Et le chrétien est rempli de conviction, il se nourrit de la révélation. Et troisièmement, le complotiste essaye de jouer à Dieu, puis veut identifier les complots et les défaire et les déjouer. C'est pas encore une fois ce que la parole de Dieu. Dieu a donné aux chrétiens un autre mandat. Confie-toi dans la bonne nouvelle de Jésus qui te réconcilie à Dieu, qui fait que maintenant tu fais partie du camp de Dieu. Et quand tu es dans le camp de Dieu en Jésus-Christ, c'est Lui qui est souverain sur toutes ces choses-là. Vis dans cette confiance et partage cette bonne nouvelle pour rassembler à Dieu dans ce monde un peuple pour Lui, pour le retour de Jésus et cette nouvelle création. C'est ce que nous sommes appelés à faire. Trop souvent, nous craignons dans les complots. Dieu est au-dessus de l'Empire. Il est au-dessus des pouvoirs politiques, il est au-dessus du pouvoir de l'argent, il est même au-dessus des pouvoirs de l'argent, des, des, des forces spirituelles et des démons. Il y a des gens ici, tu vis sur une oppression des fois mystique. Tu penses au spirituel, tu penses même aux démons, tu penses à se déterminer ce qu'on peut retrouver des fois dans cette spiritualité, mais c'est même ça, Dieu est au-dessus. Au-dessus de l'argent, au-dessus des empires, au-dessus des forces spirituelles, et Dieu est les souverain au-dessus de tout ça. Au-dessus de ça. Et bien, bien que c'est subtil, et c'est ça l'affaire, que des fois le chrétien doit se nourrir de la révélation, et doit, se, doit nourrir sa conviction de la révélation, parce qu'en apparence, on peut avoir des raisons de s'inquiéter. Comme ici, le peuple juif avait toutes sortes de raisons avec les disies du roi d'exercice de s'inquiéter profondément. Mais, Très subtilement, Dieu laisse voir ici, justement, un indice de comment il, comment il est en train d'agir dans sa souveraineté à travers la providence et qu'il est même au-dessus de l'empire de l'argent et des pouvoirs sataniques, démoniaques. Alors que aman lance le dépôt aux démons, le choix est porté, et on voit que c'est Dieu qui est en au contrôle au-dessus de ça, le choix est porté sur la veille de la fête de la Pâque. Petit clin d'œil de Dieu ici. Subtil, mais petit clin d'œil. Alors que la première Pâque, Israël avait besoin d'être libéré d'un ennemi qui le détestait. Dieu a libéré son peuple. Ici, le peuple de Dieu est encore en train de souffrir un ennemi, encore besoin de la libération d'un ennemi. Et Dieu lui rappelle que le peuple d'Israël est sur le point de vivre une nouvelle Pâque, une nouvelle libération de son ennemi. Et encore aujourd'hui, croyant, peut-être que tu t'inquiètes de toutes sortes de choses que tu vois autour de toi. Tu as besoin d'apprendre que Dieu nous a donné une bien plus grande et meilleure Pâque quand Jésus-Christ, qui a vaincu les plus grands ennemis de ce monde. Il a vaincu Satan, le péché, la mort, et en lui, il n'y a plus rien. Aucun complot qui peut nous atteindre, tu appartiens à Dieu. Vous savez, même si on ne le voit pas, même si c'est subtil, Dieu, il est le souverain sur l'histoire et le déroulement de l'histoire, il va le porter vers la pleine manifestation de sa gloire. La gloire de Dieu est réellement un train qui avance et qui va arriver à bon port. Et tu ne veux pas être sur le chemin du train, tu veux être dans le train. Mets ta foi en Jésus, il va te porter à bon port vers la pleine manifestation de la gloire de Dieu. Peut-être que tu dis, peut-être que tu es un croyant de, de longue date et tu te laisses troubler par toutes sortes de choses autour de toi et toutes sortes de luttes intérieures. Tu as besoin de te rappeler que le, le train de la gloire de Dieu va arriver à bon port, même si c'est subtil. Il agit, il agit en Jésus-Christ et il revient, il préserve et prend confiance dans la foi que tu as en Jésus-Christ. Et peut-être que tu n'es pas là, toi. Peut-être que tu n'as pas mis ta foi en Jésus. puis peut-être que tu dis, oui, mais je suis tellement loin de Dieu. Je manque tellement de foi. Je mérite tellement pas d'être là. Pourquoi Dieu regarderait à moi? Quand on regarde au récit d'Esther et de Mardoché, on voit pas des gens qui le méritent, on voit pas des gens qui sont bas. Ce n'est pas le récit d'Esther de et Mardoché, les bonnes personnes qui marchent avec Dieu. Non, c'est le récit d'un Dieu parfait qui marche avec Esther et Mardoché qui sont imparfaits. Il ne méritait pas non plus. Peut-être que tu ne le mérites pas, je ne le mérite pas, mais mets ta foi dès à présent en Jésus-Christ. Embarque dans le grand train de Dieu qui mène vers sa gloire et mets ta confiance en lui. Il prendra soin de toi. J'espère que Dieu vous a fait du bien, vous a rencontré à travers ce message-là, que vous avez été béni, encouragé. Euh, si vous avez entendu ces vérités sur la vie, sur Dieu pour la première fois, et que vous seriez intéressé à vite d'en savoir un peu plus, ça va nous faire plaisir de répondre à vos questions. Écrivez-nous à, à commercial église de .com, et on va vous contacter dans les plus brefs délais. Cette invitation à nous écrire aussi est valable pour vous qui souffrez ou qui avez des défis ou des requêtes de prière. N'hésitez pas, ça va nous faire plaisir d'entrer en contact avec vous. En terminant, laissez-moi vous remercier également pour votre soutien précieux dans l'œuvre du Seigneur qu'on accomplit ici au portail. Un peu comme les premiers apôtres, notre but est que la bonne nouvelle fasse du chemin dans les quartiers, mais aussi dans les cœurs, dans les familles, dans les foyers. Donc si vous aimez notre mission et vous aimeriez contribuer de façon concrète, vous avez la possibilité de nous soutenir financièrement via votre institution bancaire ou en nous écrivant à don au pluriel à commercial-église de portail.com. Sur ce, on se dit à bientôt, bon dimanche, à la prochaine.